relâche. Le premier alunissage, avant tout symbolique, est terminé. Et alors même que la NASA se prépare à effectuer des missions scientifiques, le gouvernement prévoit des coupes claires dans le budget du programme spatial. À la fin des années 60, l'Amérique a enfin quelque chose à fêter. Armstrong, Aldrin et Collins sont revenus sains et saufs de la Lune. Pour les États-Unis, la décennie a pourtant débuté sur une découverte désagréable. L'Union soviétique, leur adversaire de la guerre froide, les a largement distancés dans la course à l'espace. Le pays tout entier a cédé à une vague de paranoïa anticommuniste. Neuf ans et 17 milliards de dollars plus tard, Apollo 11 plante la bannière étoilée à la surface de la Lune. « 600 millions de personnes suivent l'événement en direct à la télévision. Le monde vit un moment historique. Un million d'Américains s'étaient massés sur les plages du centre de la Floride pour assister au lancement d'Apollo 11. Mais le 14 novembre 1969, il pleut sans discontinuer sur la base de lancement du centre Kennedy. Le nombre de spectateurs venus voir le lancement d'Apollo 12 a baissé de 2/3. L'énorme succès d'audience d'Apollo 11 a incité la NASA à améliorer le dispositif de couverture télévisuelle pour les expéditions suivantes. Pete Conrad est aux commandes de la mission avec Alan Bean, un novice, et Dick Gordon, le pilote du module de commande. Leur destination est l'océan des tempêtes, tout près du site où Surveyor 3, un engin inhabité, s'est posé 2 ans plus tôt. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running, commit, liftoff. We have liftoff, 11:22 a.m. Eastern Standard Time. La pluie battante ne pose aucun problème. Un lancement peut être retardé en cas de vent violent, mais la fusée Saturn V est adaptée à tous les temps. Peu après le décollage, la foudre frappe Apollo 12 et descend le long du jet d'air ionisé jusqu'à la tour ombilicale. Les instruments du module de commandement s'affolent et les données télémétriques au sol sont incohérentes. Pendant un court moment, personne ne comprend ce qui s'est passé. Enfin, l'équipage reçoit pour consigne d'appuyer sur un obscur bouton de réinitialisation qu'Alan Bean est le seul à connaître. La manipulation remet les instruments en marche. La mission peut continuer. Got a good S2 gang.
Roger, we copy, Pete. You're looking good. Good staging and good... Tout cela s'est produit à un moment critique du vol propulsé. Le centre de contrôle a bien failli interrompre la mission. Your thrust is looking good, Pete. Après une seule orbite terrestre consacrée à la vérification des systèmes, Apollo 12 reçoit le feu vert pour poursuivre jusqu'à la Lune. Right, Pete, your fuel cells look good down here. Face à l'énorme engouement suscité par la mission lunaire Apollo 11, la NASA a équipé Apollo 12 d'une caméra couleur pour offrir aux téléspectateurs du monde entier des images de meilleure qualité de la surface de la Lune. Ce deuxième alunissage bénéficie d'améliorations notables, inspirées par l'expérience d'Apollo 11. À l'intérieur des réservoirs de propergol du module lunaire, des déflecteurs stabilisent l'ordinateur de bord. Après avoir reconnu tous les points de repère à proximité de la sonde Surveyor 3, les astronautes font un alunissage parfait. Mais au moment où Pete Conrad descend vers la surface de la Lune, il est 6 h du matin aux États-Unis et très peu de gens sont devant leur télévision. La NASA surveille l'audimat de près. L'agence spatiale sait qu'elle doit mettre les contribuables de son côté si elle veut empêcher les hommes politiques de faire des coupes dans son généreux budget. Lorsqu'il rejoint Pete Conrad à la surface de la Lune, Alan Bean s'empare de la caméra pour la réorienter et la pointe par erreur sur le Soleil. Ce sont les dernières images transmises par Apollo 12 en direct de la Lune. La précision de l'alunissage, la durée accrue du séjour lunaire et la quantité importante d'échantillons collectés font de cette mission un succès technique. Mais la NASA voulait nourrir l'enthousiasme des Américains pour le programme spatial et elle n'a que de courtes séquences filmées à leur montrer. L'espace n'intéresse plus le public. Après le retour d'Apollo 12, il y a encore 8 lanceurs Saturn V en production. De quoi aller jusqu'à Apollo 20. Mais en janvier 1970, Apollo 20 est annulé. Et peu de temps après, les missions Apollo 19 et 18 passent également à la trappe. Le programme est tronqué au moment où la NASA s'apprête à récolter les fruits de l'ingénierie spatiale et de la recherche lunaire. Apollo 13 intègre de légers changements. L'activité lunaire de la mission est reprogrammée de façon à coïncider avec des heures de grande écoute dans tous les États-Unis. Les chaînes de télévision savent que cette décision peut leur coûter de l'argent et ça ne leur plaît pas. Le commandant, Jim Lovell, a déjà volé en orbite lunaire en tant que pilote du module de commande d'Apollo 8. C'est la quatrième fois qu'il va dans l'espace, contrairement à ses deux collègues qui n'ont encore jamais quitté la Terre. Fred Hayes est le pilote du module lunaire. Quant au troisième membre d'équipage, il a appris qu'il partait 3 jours seulement avant le lancement. Jack Swigert remplace le pilote titulaire du module de commandement, Ken Mattingly, qui a été exposé à la rubéole. Mattingly assiste au lancement depuis le centre de contrôle à Houston. 8, ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. L'objectif est la formation géologique Fra Mauro, qui doit son nom au voisinage du cratère Fra Mauro. Pendant le vol propulsé, un moteur du deuxième étage s'éteint prématurément. On laisse brûler les autres propulseurs légèrement plus longtemps pour compenser. C'est un problème mineur. Ok, Joe, I'm pointing over toward Jack and it's... L'injection translunaire se fait sans heurts et l'équipage ne tarde pas à sortir sa caméra couleur pour divertir les téléspectateurs.
Mais les équipes du centre de contrôle sont les seules à regarder. Les chaînes de télévision ne retransmettent pas les images envoyées par Apollo 13. Dane, we've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tanks. In addition, peu de temps après avoir cessé d'émettre, alors que la navette a déjà parcouru les trois quarts du chemin jusqu'à la Lune, une explosion grille la principale source d'énergie du module de commande. Personne ne comprend ce qui s'est passé, mais il apparaît rapidement qu'Apollo 13 ne se posera pas sur la Lune. Stand by 13, we're looking at it. Jack, Aquarius, what kind of... Comme le module de commande est inutilisable, le module lunaire devient la seule source d'électricité des astronautes. Son moteur de descente réalisera toutes les corrections de trajectoire. L'engin spatial continue à faire le tour de la Lune sur une trajectoire de retour libre. S'il se pose dans l'Atlantique Sud, ils rentreront plus vite. Mais la flotte de récupération n'a pas de bateau dans cette région. Avant qu'Apollo 13 ne disparaisse derrière la Lune, les équipes au sol commencent à recalculer la propulsion nécessaire pour ramener le vaisseau dans l'océan Pacifique. L'équipage a assez de nourriture et d'oxygène pour tenir jusqu'au retour sur Terre, mais il risque de se retrouver à court d'eau et d'électricité. Très vite, la température devient glaciale à l'intérieur du module, et Fred Hayes fait une infection urinaire provoquée par le manque d'eau. Le plan est de rétablir l'électricité dans le module de commandement à l'aide des batteries du module lunaire quelques instants avant d'entrer dans l'atmosphère terrestre. La manœuvre n'a encore jamais été tentée et une équipe d'experts, dont Ken Mattingly, commence à tester différentes procédures dans le simulateur. Le programme spatial fait à nouveau les gros titres, mais pas pour les raisons qu'espérait la NASA. La simulation des séquences de réactivation des circuits est compliquée, car la condensation générée par la chute de température dans le module principal menace de court-circuiter le système électrique. Mais le centre de contrôle envoie enfin une procédure à l'équipage par radio. Le sauvetage montre la NASA sous son meilleur jour. Après avoir résolu avec créativité les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient, Houston ramène les trois astronautes sains et saufs. Apollo 13 s'inscrit dans l'histoire comme un échec réussi. Alan Shepard a été le premier Américain dans l'espace. Et même si le vol Mercury Freedom 7 n'a duré que 15 minutes, l'astronaute va s'imposer comme une figure clé du programme spatial de la NASA. En 1964, on lui diagnostique la maladie de Meniere et il est interdit de vol. Il passe la totalité du programme Gemini en tant que chef du bureau des astronautes. Après avoir été opéré, il est réintégré dans les équipes de vol et finit par être choisi pour commander l'équipage d'Apollo 14. Le pilote du module de commande est Stuart Rouza. Celui du module lunaire, Ed Mitchell. L'objectif d'Apollo 14 est Fra Mauro, la région de relief lunaire où devait se poser Apollo 13 avant l'interruption du vol. Ce sera la dernière des missions H qui n'emporte pas de véhicule lunaire. 4, 3, 2, 1, 0. Launch commit. Liftoff. We have liftoff for Apollo 14. 3 minutes past the hour. Après presque 10 ans d'attente, Alan Shepard est de retour dans l'espace. Quelques instants après la mise en orbite, il a déjà doublé son temps cumulé de vol spatial. Comme toutes les missions Apollo, celle-ci promet d'être plus complexe que la précédente. Et comme toutes les missions Apollo, il y aura des problèmes. En théorie, l'amarrage au module lunaire est une procédure de routine. Mais les verrous refusent de s'enclencher. Les 5 premières tentatives sont infructueuses. Okay, Houston, we did it.
Pour le sixième essai, Stuart Rusa accélère la poussée de ses propulseurs et les deux engins s'arriment l'un à l'autre. Une fois en orbite lunaire, et peu de temps après la séparation du module lunaire Antares et du module principal Kitty Hawk, l'ordinateur de bord commence à clignoter. Il y a un faux contact dans le bouton d'abandon, et cela pourrait déclencher une procédure automatique d'interruption pendant la phase de descente d'Antares vers la surface. Le centre de contrôle sait qu'on ne peut pas réparer le bouton. On décide plutôt de reconfigurer l'ordinateur de façon à ce qu'il ignore le signal d'alarme. Les équipes au sol ont 2 heures pour mettre au point un nouveau code. John Hiles, programmateur au MIT, est chargé de trouver la solution. Après avoir testé la nouvelle procédure dans le simulateur, Houston envoie aux astronautes une liste de 61 commandes à rentrer. L'alunissage se poursuit avec une précision extrême. Le module lunaire accuse une inclinaison de 7 degrés qui ne facilite pas les mouvements à l'intérieur de la capsule. Les astronautes sont à environ 1 km du bord du cratère Cône, où ils doivent aller collecter des échantillons lors de leur seconde sortie extravéhiculaire. Comme à chaque fois qu'une mission Apollo réussit son alunissage, l'équipage déploie le drapeau américain. Avant Apollo 11, il a été proposé de mettre le drapeau de l'ONU, mais le Congrès américain a voté une loi stipulant que seule la bannière étoilée serait plantée sur la Lune. Tous les astronautes qui sont allés sur la Lune ont dit à quel point il était difficile de juger les distances et de se repérer dans le paysage. L'ascension jusqu'au bord du cratère épuise Shepard et Mitchell. Inquiets de l'accélération de leur rythme cardiaque, les médecins du centre de contrôle leur intiment l'ordre de faire demi-tour, sans réaliser qu'ils ne sont qu'à 20 mètres de leur objectif. Mais la NASA a déjà trouvé une solution à ce genre de problème. Les astronautes du programme Apollo se familiarisent avec un nouvel engin. Toutes les missions suivantes pourront voyager 10 fois plus loin du module lunaire grâce au rover lunaire. Les dernières missions Apollo sont consacrées principalement à la géologie. Les analyses préliminaires montrent que la Lune semble avoir connu une période de fusion, avec des roches qui ne contiennent pas d'eau. Dave Scott est le commandant d'Apollo 15. Pour Jim Irwin, qui pilote le module lunaire, c'est le premier vol spatial. Al Worden est le pilote du module de commandement. Et c'est également son premier voyage dans l'espace. Les modifications apportées à la conception du lanceur Saturn V et l'optimisation des paramètres de trajectoire et de guidage permettent au module lunaire alourdi d'emporter une plus grande charge utile sur la Lune. Les nouvelles missions, plus longues, sont baptisées Mission J. Elles peuvent non seulement emporter plus de choses sur la Lune, mais aussi rapporter davantage de roches lunaires sur la Terre. Leur objectif à la surface de la Lune est Rima Hadley, une faille sinueuse sans doute formée par une ancienne activité volcanique. Le site d'atterrissage se trouve dans l'hémisphère nord de la Lune, près des monts Apennins. Un problème d'écoutille retarde la séparation du module lunaire, le Falcon, et du module de commande. Il est rapidement résolu. Les techniques d'alunissage sont désormais tellement rodées que Scott corrige sans peine une première aberration de 6 km et fait faire au Falcon un nouvel alunissage de précision. Contact. OK, Houston, the Falcon is on the plane at Hadley. La qualité des retransmissions en direct de la Lune n'a cessé de s'améliorer, mais l'audimat est en chute constante.
Pourtant, il y a une nouveauté, c'est le rover. Il permet non seulement aux astronautes de voyager plus loin et d'emporter davantage d'échantillons, mais aussi de s'économiser. Scott et Irwin utilisent moins d'oxygène et peuvent rester plus longtemps à la surface. Dave Scott a pris ses cours de géologie très au sérieux. Et lors de sa deuxième sortie extravéhiculaire avec le rover lunaire, il récolte les fruits de son travail. Au fond de la faille de Hadley, il découvre une roche blanche dont on considère d'abord qu'elle provient de la croûte primordiale de la Lune. Surnommée la roche de la Genèse, l'échantillon a plus de 4 milliards d'années. Après 3 jours sur la Lune, Scott et Irwin se préparent à regagner l'orbite lunaire. Les premières phases de la mission n'ont rencontré que quelques problèmes mineurs. Le rendez-vous en orbite lunaire, l'arrimage et le retour sur Terre se déroulent également sans heurts. Pendant la descente finale, le largage du reste du propergol très corrosif des propulseurs de la capsule provoque la défaillance de l'un des 3 parachutes. La catastrophe est évitée de justesse. Au début de l'année 1972, il ne reste plus que 2 missions Apollo. Les expéditions lunaires sont de plus en plus longues et complexes. Mais elles n'intéressent plus les Américains, ni le gouvernement. Chaque mission a connu des avaries qui auraient pu s'avérer mortelles. Mais la NASA a surmonté tous les problèmes avec une telle efficacité que la guerre et les scandales politiques ont fini par supplanter l'exploration lunaire à la une des journaux. Et lorsque la dernière expédition vers la Lune s'élance dans la nuit, à une heure de grande écoute, les chaînes de télévision sont agacées de voir qu'un retard de lancement les oblige à remanier leur programme. Gene Cernan sera le dernier homme à marcher sur la Lune. Le retour d'Apollo 17 sur la Terre marque la fin des explorations lunaires. À ce jour, il n'est pas prévu de retourner sur la Lune. Thank you.